Guillaume de Tonquédec. Vous êtes consternant. Dans le prénom. Ah, je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. J'aimerais les garçons parce que je porte des chemises oranges. Non mais vous réalisez ce que vous dites? J'aime aussi Visconti et Cary Grant, je suis surpris que vous n'en ayez pas parlé. Hein. Samia Ghesmi dans Camille Redouble. Pardon, j'ai le droit de te parler? Dis-moi, ça suffira, je suis pas de très bonne humeur. Tu aimes la sangria? Oui, beaucoup. J'aime la couleur de tes yeux. Eh ben voilà, ça fait 10. Très heureux de cette conversation. Je suis désolé, je savais pas quoi. Benoît Magimel dans Clo-Clo. Moi, je croyais que t'étais là pour durer. Écoute-moi bien, fils. Si tu changes rien, dans 6 mois, t'es un chanteur des modes. Terminé. T'es fini. Tous pour tous. Et Claude Riche, dans Chercher Hortense. Je couche avec qui je veux. Et personne ne me collera une étiquette. Bon, d'accord. Et très bien. Et toi, ça va de ce côté-là? De quel côté? Du côté de l'amour. Michel Villermoz dans Camille Redouble. Moi, je me couche. C'est ma chambre. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Et le César du meilleur second rôle masculin est attribué à... Guillaume de Tonquédec dans Le Prénom. Un tromboniste solitaire et malmené par ses amis au cours d'une soirée où l'un d'eux sème le trouble en révélant le prénom qu'il veut donner à son enfant à naître. Il reprenait le rôle qu'il avait créé sur scène à Édouard VII dans la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Non mais quelle histoire ce prénom, c'est vraiment du délire, quelle chance, quel truc extraordinaire. Je bénis le jour, je suis allé lire cette pièce chez Bernard Murat, j'embrasse toute l'équipe du Théâtre Édouard VII. Merci Bernard de m'avoir le premier confié ce merveilleux personnage de la prune. Je vois qu'il y en a qui ont vu le film ce soir, ça me fait plaisir. Pour les autres, il est sorti en VOD, il est disponible en DVD, prenez-le, au pire vous passerez une bonne soirée. Dimitri, Rassam, Jérôme, c'est doux. Ah, je suis à fond dans la promo. On se voit tout à l'heure. Je vous ai dit que je vous trouve très beau. Bon, on s'appelle. Les chers auteurs, Alexandre, Mathieu, les gars, un acteur peut avoir du génie dans sa salle de bain, mais sans un bon texte, il n'est absolument rien. Je ne suis pas sûr d'avoir du génie, mais je suis sûr que vous êtes des auteurs géniaux et en plus des gens bien. Mes chers partenaires, Patrick, Charles, vive la testostérone. Mesdemoiselles Judith, Valérie, équipe de choc et de charme, je vous aime. J'ai vécu un grand moment sur ce film quand une comédienne extraordinaire, mademoiselle Françoise Fabian, a écarté les bras et m'a dit « Viens, j'ai envie de toi ». Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on m'a dit, j'embrasse toute l'équipe du film bien sûr, on m'a dit surtout « Ne remercie pas ta famille, tes amis et tout, tout le monde s'en fout et c'est super ringard. Donc permettez-moi d'assumer ma ringardise ce soir. Je salue ma famille et j'embrasse mes amis, je les serre contre mon cœur. Je décerne ce César, je le dédie à ma femme et à nos 3 enfants. Enfin, je finirai en citant Louis Jouvet. Il ne faut jamais ignorer la loi essentielle de la chance qui veut qu'on lui fasse confiance, qu'on lui sourie et qu'on l'espère. Ce César, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de la prune. Merci.